Là, les chiots, ils ont 21 jours. Donc, ils sont rentrés avec nous, enfin, dans la véranda. Les petits chiots chiens nous tchèquent, là, ils s'endorment, ils profitent du soleil. Et comme eux, ils sont encore un petit peu trop petits, puisqu'ils viennent tout juste de faire leurs 4 semaines aujourd'hui, on les a mis dans la véranda avec les autres jouets. Qu'ils aillent dans une autre pièce, il y a d'autres odeurs. Ça, c'est la petite femelle. Là, c'est le petit Django. Elle est le bébé. Oui. Elle a le bébé. Oui, c'est bien ça, mon loulou. Mais oui, je te vois, toi, t'es un vrai pot de glu. Là, c'est Django. Une petite femelle. Qu'est-ce que je fais? Elles explorent. Voilà ma pépette. Voilà la fifi. Django! Et coucou mon loulou! Et coucou le loulou! Allez, viens! Allez, viens! Allez! Allez le loulou! Oui, c'est bien! C'est bien mon loulou, c'est bien ça! C'est bien! Mais doucement avec les griffes, vous faites mal. Pas sociable les bébés. C'est la petite femelle, ils sont contents. Dès qu'ils ont des câlins, ils ont de l'attention, ils en peuvent plus là. C'est vrai que là on est en âge. De la découverte. Il y a papa Draco là qui est avec nous dans la maison. Viens Draco, viens. Ouais, c'est bien mon bébé. Donc c'est très très intéressant. Puis comme ils sont que deux, donc on arrive à vraiment bien cerner leur évolution. Et mon loulou, hein Django? Ouais. Et oui, t'es content, t'es content. Oh, papa Draco, il plaisante pas. Hein. Draco, doucement. T'es beau. T'es tout beau. Écoute. Non, c'est vrai que les chiots là ils sont habitués à tous les bruits de la maison. Donc ils sont pas perturbés pour grand chose. Oh ben, c'est sûr que c'est mieux que dans la caisse, hein, il y a plus de place là. Ils te suivent. Oui.
Draco, doucement.